Alors l'idée, elle est ancrée très profondément en moi. J'ai toujours été amoureuse de l'école. Je viens d'un petit village de Corrèze, élevée par grands-parents agriculteurs et papa et maman, une entreprise de couverture, qui m'ont toujours dit que l'école était la manière de s'élever, qu'on devait tous avoir accès à cela et qu'il fallait bosser. Voilà, et je l'ai fait avec plaisir. Un jour, j'ai vu après tout cela apparaître le smartphone dans la main de tous ces jeunes et je me suis dit, mais il y a quelque chose de fantastique où parfois on parle de découragement pour réconcilier les jeunes avec l'école grâce au smartphone. Voilà, allier ma passion avec les nouvelles technologies. Bah, énormément d'émotions pour moi, mes parents, ça s'entend d'ailleurs, mes équipes, voilà, on est une petite entreprise, on n'est pas toujours mis sous les feux du projecteur, donc voilà, c'est une nouvelle ère qui commence, c'était hyper important, voilà, je l'ai pris comme une première très belle récompense et je pense que ça va nous donner l'envie d'aller très loin. Bah, je leur dirais une chose toute simple, c'est que le nom du prix est fantastique, 10 000 startups pour changer le monde. Je pense que quand on le porte là, que c'est vraiment comme ça qu'on a construit son projet, que pas sur du financement, mais avec l'idée de changer un peu le monde, on a toutes les chances de le remporter. Voilà. Donc il faut y aller avec ses tripes, y croire. Et voilà, après on est là.